You look lonely. I can fix that. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour une découverte d'un nouveau jeu qui s'appelle Age of Water. Peut-être que vous en entendiez parler depuis un petit moment. Moi personnellement je viens à peine de le découvrir il y a quelques jours sur Steam, puisque c'est une version prologue qui est gratuite, qui est disponible. Age of Water, The First Voyage. Je vais arrêter de faire genre avec l'accent parce que c'est juste abominable. Donc ça a été développé par Three Whales Studio juste ici, donc c'est leur premier jeu visiblement, et édité par Gaijin Incubator. Eux ils sont derrière War Thunder notamment, et le jeu final payant bien sûr sortira le 18 avril. Voilà, donc on va découvrir aujourd'hui le prologue, si je puis dire, le premier voyage, la découverte. On va directement démarrer la partie bien sûr. A long time ago, when the polar ice caps melted, ocean waters gradually flooded the entire surface of the planet. Cities and villages, factories and airports, forests, fields and even many mountains ended up underwater. Human civilization, in the common understanding of the word, disappeared. But humans as a biological species survived. Those who managed to escape the flood on the roofs of skyscrapers, on mountain ranges, or on ships, eventually learned to survive in the new world. The most ingenious came up with the idea of extracting fragments of old civilization artifacts from the seabed. The most skilled learned to build ships from that garbage. The strongest and meanest found out how to take these things from other groups. A new civilization was gradually taking shape, living by simple and brutal laws. The laws of the sea. The laws of the Age of Water. Ok, Age of Water, voilà. Bah, et ce qui est incroyable, c'est que je voulais éventuellement expliquer, mais tout est expliqué dès le départ, et ben comme ça, on est plutôt servi. Progression du prologue, 0%, premier pas, approche des rochers. Nous sommes sur un petit bateau. Et nous sommes dans une magnifique mer. Et on entend des coups de feu au loin. Alors on va aller voir ce qu'il s'y passe. Ah et bien apparemment ça a pas l'air jojo. Alors attends, tourne à droite après les rochers. Ok. Ok, on voit de la fumée. Oh là! Ah oui, nous avons des naufragés. Madame! Ah, vous avez l'air maline. Youpi, on va enfin me sauver! Tu sais, des bandits, des squales ont fait couler notre caravane. Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fabriques avec un bateau des squales? Squales. Eh bien, je ne sais pas. Novice amnésique. Amnesia isn't contagious, right? Ok, Kitty Sark. I got carried away. Let's get acquainted. My name is Kitty Sark. T'as l'air complètement barjo, toi. After the bottle, when I was born, a bottle with a real cork and a note got washed up against our pontoon. The elders took the cork. The note was sold to the. D'accord, raconte pas ta vie. Vas-y, monte. I promise. I'm a great shooter. D'accord. That's what everyone says. Besides, I know. Je sais que les requins ont une carte au trésor. Allons-nous l'approprier? Un trésor, ce serait bien. J'en suis. You don't have a machine gun on your boat? That's not right. Allez. Alors, journal de quête. Objet essentiel. Récupère une mitrailleuse parmi les débris des jet skis. Just pick up the machine gun. It's there. In the wreckage. It's gonna be a bit too hard without. Donc on va pouvoir dépolluer les océans, bien sûr, et ramasser des débris. Now we have a machine gun. Hurry, open the constructor, select the machine gun and mount it on the deck. Attends, genre là, on a la mitrailleuse. N'importe quoi. Ah, et on peut la placer où on veut? Non. Très bien. Attends, j'ai pas vu c'était quoi. C'est quoi ça? Non, annule. Bélier léger. Ah oui, d'accord, c'est pour aller au corps à corps. C'est incroyable, on peut customiser son camion. On peut customiser, pardon, c'est l'habitude. On peut customiser son bateau. Du coup, ça enlève moins 2 d'énergie. Enfin, de rapidité, je pense, de vitesse. Ça c'est pareil le moteur, mais si tu l'enlèves, bon bah voilà. Ah, c'est chouette. Les sharks. Ouais, c'est pas des vrais requins, je pense, c'est une team. Je pense que c'est une team. Le trésor des requins. Obtenez la carte au trésor. Ok. Bah vas-y, on y va. Oh, on a un turbo. Ah si, c'est des vrais requins. Ah non, c'est pas des vrais requins. Arrête. Sale racaille.
Ok. Crevez tous. Incroyable. Hop hop, toi t'es mort. Attends, j'ai un problème là. Attendez, laissez-moi. Oh. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça ressemble à War Thunder. Enfin non, mais je me comprends. Ok. Alors attends. Là je vais récupérer les débris. Là. Hop. Ok. Alors attendez, parce que là du coup si réparation, là je peux réparer le bousin là ou pas? Réparer jusqu'à 100%. Ah, il faut de la ferraille. Il faut différents matériaux pour réparer en fait le bateau. Bon là en vrai on est presque à 100%, on s'en fout. Ok, ben on va aller là-bas. On va aller là-bas au point d'exclamation. C'est super beau. Je pensais pas que ce serait si joli. Bon, y a que de la mer là pour le coup. Hein, on va pas se mentir, mais alors encore heureux que l'océan est beau parce que un jeu qui se déroule sur l'océan. Ok, ça c'est une mine. Ça c'est une mine. Donc faut pas s'en approcher ou alors attends. Voilà. Ah pu. Est-ce qu'on peut récupérer des trucs? Poisson. Let's go. Let's go. Allez, on va aller voir. Et dire qu'il y a une ville. Il doit y avoir des villes sous l'océan, c'est quand même incroyable. Barre de la Mante. Allez, on a marre. Kendrick Lamar. Salut Mantissa. La religieuse. Oh là. Eh ouais, tu m'effrayes. Ah, so you're looking for male company. It's pretty quiet here today. D'accord. To talk to a different person. Appuie sur son portrait à droite. D'accord. Ah mince, je voulais pas partir. To talk to a different voilà. Person. Jacques Willet. To the free. Salut. I'm looking to work as a bosun on a decent vessel. But I can be a sailor or a carpenter. Toi aussi t'es un tireur, maître d'équipage. Allez, vas-y. But the three of us on your rubber boat. Vas-y, vas-y. It's like a maze. Il y a une crête de rocher à proximité, c'est comme une labyrinthe. Des crânes d'eux ont décidé de s'y cacher. Vas-y, go. Donc on va aller au labyrinthe de pierre. Juste en face. Journal des quêtes. Donc, aller dans le labyrinthe, pas de problème. Wouah! Il y en a beaucoup sur le bateau là. Et attends, eux ils sont méchants. Oh non. Oh non, on va prendre feu. Mourez! Oh non. Et en plus, je vais bien sur eux, tu sais. Le mec trop intelligent. Attendez, foutez-moi la paix. Mais d'où il y a du feu sur l'eau, frère? Non mais c'est incroyable. Mais mes coéquipiers ils peuvent pas tirer là? Ah mais ils meurent pas en fait. Ils meurent jamais. Ils meurent jamais, je vais les laisser. Arrête! Je vais les... Arrête! Moi je vais au labyrinthe. Foutez-moi la paix les gars. Alors là, essayez de me suivre si vous en avez le courage. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il répare. Ok. Alors attendez, parce que j'ai pas compris où je devais aller. Là on a un bateau. Appuyez. Oh, on a un nouveau bateau. D'accord. Above us. Shoot the hang gliders. Oh non, il y a des deltaplanes. Ah, on peut viser. Ah. Mais meurt. Mais qui c'est qui me tire dessus là? Sale racaille. On me tire dessus, je sais pas où. En fait, ce qui est bien, c'est que on arrive à me.
When the hull is breached, I'll pump the water out. Mais qui me tire dessus, frère? C'est incroyable. Bon, on va se reconcentrer sur la quête. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Nouveau bateau. Atteint l'atelier. Il est pas là l'atelier. Ah, faut que je retourne à la maison, d'accord. Bon, je comprends pas où ils sont les gars qui me tirent dessus, mais bravo à eux. Bravo à eux pour leur visée excellente. Nous, on va sortir de là. On va sortir de là. Bon, heureusement, ils réparent le bateau en non-stop, le gars. Je vois pas où ils sont, les mecs, hein. Très, très, très bizarre. Mais foutez-moi la paix. Wouah! Oh, il m'a dégomme-gomme. Hop, je m'amarre. Comme s'il n'y avait pas de méchant à côté. Salut, Jimmy la poutre. Intéressant, Jimmy la poutre. Ah, c'est traduit, d'accord. If you won't throw Kitty overboard for her blabbering, call it square. But if we're being serious, there is one problematic pirate. Yeah, but it won't be easy. His Trimmerin is armed to the teeth. By the way, Kitty, I heard that the treasure you're chasing okay, was donc, already taken pour care payer of by notre that réparation bastard. Du bateau, on va devoir couler le navire d'un des gars qu'il aime pas quoi, d'accord, très bien. Not so fast. The new boss, allez, we go. Just need to choose the hull's lining, mount the steering. Hop, constructeur de véhicule, choisissez le matériau de revêtement de la coque. Plastique, bois, métal. Alors le truc, la durabilité c'est bien. Vitesse max plus 15, durabilité ouais. Mais là tu perds de la vitesse, tu perds de la... Oh là là. Bah le métal c'est le mieux hein, malheureusement hein. Le métal c'est le plus solide hein. Ah ouais d'accord. Ah c'est incroyable, tu fais bout par bout en fait. Ok, bah attendez. On va mettre du bois. Mais attends, c'est quoi par défaut là? Plastique. Ah par défaut c'est rien, d'accord. Par défaut c'est rien, d'accord. Alors attends. Là j'ai usé tout mon bois. J'ai 40 métal. Bon bah malheureusement. On va mettre ça à la... On va mettre ça. C'est plutôt vers la mitrailleuse qu'ils vont tirer, donc je vais mettre ça là. Ça me paraît plus logique. Et le plastique. C'est fantastique, on va mettre ça derrière. Voilà. Comme ça, ça fait un truc à peu près cohérent. Une fois que ça c'est fait, tab. Barre, un bateau sans barre est incontrôlable. Prends soin de ta barre. Ah, on peut mettre une barre. C'est génial. Eh bien, on va mettre ça devant. Ça me paraît logique. Ah non, on peut mettre derrière la barre. Ah, en général, on le met devant, non? Tiens bon, la barre est tiens bon. Pardon, excusez-moi, c'est cringe. Vas-y, je vais mettre devant, mais le truc c'est qu'il y a la mitrailleuse donc c'est débile. Attends. Mitrailleuse, on la met tout devant. La barre, on la met ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Sert à pomper et rejeter l'eau hors du bateau. Ah oui, d'accord. C'est même pas centré en plus, c'est horrible. C'est même pas centré, c'est de la merde. Ah ouais, d'accord. Trop nul. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Pont. Ouais, bah après ça fera un bateau plus grand pour pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Ah, mais pont, ça veut dire qu'on l'a déjà. Tonneaux en métal sont très pratiques pour fabriquer des structures de pontons. Ouais, ça faudra faire quand on aura un bateau plus grand. D'accord. On va avoir des navires de zinzin par contre. Hein. En vrai, on va avoir des navires de zinzin. The hull's lining, mount the steering wheel and other modules. Yes, after the repairs, the boat just feels different. Du coup, demande une deuxième mitrailleuse aux plongeurs du village. Va voir les plongeurs. D'accord. Eh bien, nous y allons. Nous y allons, messieurs, dames. Hein ? Un sous-marin ? Oh, bonjour ! Incroyable ! Hi, surfacers. It's nice to breathe in some fresh air, you won't believe. Looks like I've surfaced just in time. Look, the canary has kicked the bucket. C'est trop stylé. Well, I haven't been sailing it around in the air. Je cherche toutes sortes de trésors au fond de l'océan. Vas-y, vas-y. Not really. It's dark, stuffy, and you can suffocate there. C'est plus facile de vivre à la surface. It's easier to live on the surface after all. Although
Are you looking for a sailor? Today is your lucky day. My little brother has been dreaming about joining a ship crew for quite a while. Bah vu comment tu me regardes, pas de soucis, viens sur mon bateau. Va voir la tour de fer qui produisait de l'électricité autrefois. C'est là qu'on a installé l'entreprise familiale, tu retrouveras mon frère. Le bouillon des sorcières. Merci beaucoup, bonne chance sous-marinière. Si tu vois de la vapeur tout autour de toi et l'eau devenir blanche, arrête-toi, d'accord. Eh ben on va faire ça comme ça. Allez go! On y va. Bon, il y a encore des méchants. Il y a une bombe. Oh! Mais arrêtez, les gars! C'est quoi ça, c'est un missile? Oh non. Oh non. Mec, c'est incroyable. Je suis mort. Comment tu fais pour t'en sortir? Moi j'ai une technique, il suffit de s'amarrer, regarde. Ah, ça marche pas. Oh, ils ont abandonné. C'est bon. Hop. Allez, salut les losers. If you want to buy weapons, Kishiro, fils de Mania. We've sold everything to a wholesaler. Non. We'll have new guns next week. Ils ont pas d'armes. You must be a free captain. Some people have all the luck. Sailing around the world, meeting people, shooting, robbing. Alors, il demande s'il veut rejoindre mon équipage. Seriously. À son père l'interdit. Right now. That's impossible. Ok, il va falloir convaincre son père. Drifter? We don't sell trash here. Try the scavengers. D'accord. Akayo-san, attention hein. I'd be happy to let him. Eh ben super, il est d'accord. I do. But our family has an unbreakable tradition. Any son who lives. Ah, il faut que je fabrique une arme. Ah, I'm so sick of this place. No way. You're joking, right? Ok. Donc là, on l'emmène avec nous. On va trouver des matériaux. Et on va fabriquer une arme. Eh, ils sont tous en train de fabriquer sur mon bateau, c'est incroyable. Ils sont en train de le réparer, mon pote. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis censé aller où là? Use the winch. Pick up the container when the dredge is done. Attends, j'ai pas vu de conteneur moi. T'as vu un conteneur toi? Bon. Dragage, je suis en train de draguer là. Je suis en train de draguer les gars. Allez! Gros butin. Oh, incroyable. Alors ça c'est tout ce que j'ai sur moi. Hop. Voilà. Great. Now choose craft. Then select the machine. Maintenant on va pouvoir crafter. Oh! On peut crafter bouclier de bambou, bouclier en métal. Donc ça il nous faut ces matériaux là. Bon moi en l'occurrence c'est une mitrailleuse qu'on veut. Impeccable, on fabrique. Sélectionner un membre de l'équipage. Eh ben Kishiro, c'est celui qui s'y connaît le mieux quand même. Et là du coup il est en train de fabriquer en 5 secondes le truc. Ok. Ah, c'est génial. Tu as reçu mitrailleuse. Donc là F, ça permet de réparer le bateau. Ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais réparer ça. Voilà. Ah, mais il faut que je clique plusieurs fois, je suis con. Voilà, comme ça, tout est réparé. Je peux voir mon équipage comme ça. Changer de rôle, préférence. Ah, on peut lui donner... Ah, putain, on peut lui donner des missions et tout. En fonction de... Ah, c'est incroyable, ok. J'aime beaucoup. Construire, donc sur le bateau on peut comme dit mettre des différents éléments, d'accord. Cale, c'est quoi ça? Donc ça c'est notre inventaire du coup. Très bien. Fabrication, c'est pour crafter ce qu'on a vu avant là. Barre de base, oh. Enfin on l'a déjà, je suis con.
La carte, on a la map, donc, qui est bah, pour le moment, forcément c'est le prologue. Les amis. Ah bah c'est les amis Steam, d'accord. C'est les amis Steam, ok, ouais, donc on va pouvoir jouer en multijoueur et tout. D'où le fait qu'on peut d'ailleurs mettre des emojis, j'avais vu avant. Tu vois, tu peux mettre des emojis et tout, c'est cool. Donc ça va être multijoueur, ça va être trop bien. Et votre journal, donc, monte la mitrailleuse. Ok, donc, la mitrailleuse, elle est là. On va la mettre en plus, s'il y a moyen, si on peut la mettre en supplément de l'autre, c'est vraiment chouette. Pas assez d'unités d'énergie. Ah, donc il faut quand même que j'enlève elle, malheureusement. Dommage. Ah, attends, c'est laquelle? C'est celle-là. Hein. Hop. Et voilà le travail. Now we can tear apart that pirate on the trimaran, flying the black flag. The one Jimmy was talking about? Allez. On va défoncer de la racaille, messieurs, dames. Dès à présent. C'est pas un souci. Donc vous avez en bas l'énergie quand vous utilisez le boost. Donc vous avez vu, ça réaugmente. Et là, si j'utilise, hop. Voilà. The pirate trimaran is ahead. Send it to the bottom. Shoot the engine in the barrels. Wesh, il attaque direct. Allez, on le défonce. On le défonce. Ah, bah je peux plus tirer, les gars. Il a encore 100% de vie, hein, si jamais. Hein. Ah, c'est pas mal. Je suis en train de me faire allumer. Mais pourquoi je peux pas tirer? Ouais, d'accord. D'accord, voilà. En fait, il y a des points. D'accord. Fallait me le dire plus tôt, ça, les gars. C'était pas clair. Hein. Avance, bateau de merde. Oh là là, il est nul, mon bateau. Il est nul, mon bateau. Hop. Alors, le seul problème, c'est que tu peux pas tirer à l'infini. C'est terrible. Oh non, là il vise trop bien. Il vise trop bien, les gars. Hop, toi t'es mort. Oh, c'est dur. En vrai, c'est dur. Oh, ça c'est trop chaud, comment ils font? Voilà, arrête. Voilà. Voilà. Allez, là-haut. Non. Oh, c'est terrible. Ça m'affole. Allez, 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 allez. Allez, tire, tire, tire. Ça veut pas tirer. C'est incroyable. Mon bateau prend feu, c'est génial. C'est génial. Ok, c'est fait, on l'a fumé. Coffre trésor. On récupère les déchets. Et on va activer le translocateur. Ok. On va voir ce que ça donne. Eh, c'est pas facile, hein. C'est... Après, forcément, je découvre, c'est pas facile, je tire à côté, etc. Mais... eux ils ratent pas les coups et tout, et puis ça tire pas à l'infini, le bazar. Ça demande de l'énergie, il faut recharger et tout. Enfin, c'est pas si évident que ça, quoi. Et alors, oh putain. Oh là là. Moa la scale. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Allez. Eh oui, parce que... Attends, équipage. Ah, je peux leur donner des... Ah ouais! Expert en boost, roi du moteur. C'est incroyable. Améliorer points de compétence. Ouais, t'as des points de compétence et tu les donnes au... Soit à toi, soit à tes collègues. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est vrai que c'est chouette. Ça, c'est vrai que c'est très très chouette. Ok. Looks like we're here.
We need to get closer and activate the translocator. Translocateur, j'active. Ouah. Et voilà le trailer, du coup la bande annonce. C'était donc le prologue. Ok. Ok, bah faut voir ce que peut nous promettre ce jeu, parce que dans l'idée c'est pas mauvais. Maintenant j'espère qu'il y a des villes quoi, ouais, des. Parce que si c'est que de l'océan avec quelques structures comme ce qu'on a vu, bien sûr c'est que le prologue, mais ouais, tu vois, on voit que des petites structures, si c'est que ça, c'est un petit peu embêtant, mais si maintenant il y a de la civilisation, si on peut aller sous l'océan, ou s'il y a des villes, voilà, comme là, voilà, s'il y a quand même des villes, voilà, d'accord. S'il y a quand même des trucs, ça peut être très sympa. Donc tu récupères des loot, il y a différentes factions, tu fais ça en multijoueur, tu améliores ton stuff, et ainsi de suite. Voilà donc Age of Water, qui sort donc le 18 avril, je me suis noté sur un papier parce que sinon j'oublie. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, bah, c'est écrit voilà, blanc sur bleu, 18 avril, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, peut-être que ça vous aura donné envie, en tout cas voilà, intéressé, vous êtes peut-être curieux, à vous d'essayer, c'est gratuit, hein, la petite démo, ce que je viens de faire, ça vous permet voilà, de voir la maniabilité, si c'est voilà, le gameplay, si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser, à voir, j'ai hâte de voir vos commentaires, et puis me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, c'était Mkolo, à très vite, salut. Eh wesh flex, eh wesh flex, get mes réflexes, get mes réflexes, emoji biceps, emoji biceps, Mkolo the best, Mkolo the best.